إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme prévu inshallah le discours va être en français بإذن الله عز وجل. Premièrement, je vous félicite tous, frères et sœurs, pour les pas que vous avez faits en direction de ce lieu béni, une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces pas que vous avez faits sont aimés par Allah jalla fi'ula, car ce sont des pas d'abord que vous avez faits pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, par la plus grande des adorations qu'il a légiférées, qui est la prière. Et ensuite, vous vous êtes assis dans ce cercle modeste, afin d'apprendre un tant soit peu quelques informations au sujet de votre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge dans son livre des gens qui recherchent la science. Yaqulu subhanahu, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Dit, wada istifhamun inkari. C'est une question de reproche. Allah dit, est-ce que sont du même niveau? Est-ce que sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation d'une seule chose, la science. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, oh mon Seigneur, augmente-moi en science. Et dans la sunnah aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les éloges de la science sont nombreuses. Parmi celles-ci, le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, dans lequel il dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fi din » Muawiyah radiyallahu anhu dit avoir entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » La demande de science est une obligation pour tout musulman. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, qui revêt une importance particulière car il est en lien avec la plus grande des adorations, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bunya al-islamu ala khams » La religion, l'islam a été fondée sur 5 notions, 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah, l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqamis salah, l'accomplissement de la prière, ila akhir al hadith, et vous connaissez la suite du hadith. Donc la prière doit être un des soucis principaux du musulman, car c'est la première chose sur laquelle il va être interrogé. Awwalu ma yus'alu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. La première des œuvres sur laquelle va être questionné le musulman yawm al-qiyamah, c'est la prière. Wa awwalu ma yuqda fihi ad-dima', et la première notion au sujet de laquelle il y aura jugement entre les gens, c'est le sang, concernant les meurtres, les blessures, etc. Donc la prière, puisque c'est la première notion au sujet de laquelle je vais être interrogé yawm al-qiyamah, je dois lui donner une importance particulière.
Je lui dois lui donner une attention particulière. Et nous allons parler aujourd'hui, concernant la prière, d'un de ces deux aspects. Car la prière, elle a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Concernant l'aspect extérieur, c'est ce qu'on appelle fiqh al-salah, la jurisprudence de la prière. Comment prier extérieurement ? De takbirat al-ihram, du Allahu Akbar d'entrée, jusqu'au taslim, jusqu'à l'expression assalamu alaykum, au minimum selon certains savants, d'autres disent assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et pareil à gauche. Donc entre ces deux expressions-là, j'ai un ensemble de paroles et d'actes. Et tout musulman, il est obligatoire pour lui de savoir ses paroles et ses actes. Quels en sont les piliers, quelles en sont les obligations, quelles en sont les recommandations. Et ça s'apprend dans le fiqh, dans les durus de fiqh. Et cette notion-là, elle s'apprend rapidement. Le fiqh de la prière, malgré les nombreuses divergences qu'il puisse y avoir, c'est en réalité une notion qui s'apprend rapidement. Qui peut prendre une semaine, un mois, peut-être un an. Pour quelqu'un ayant une mémoire exceptionnelle et de très intelligent, en une journée, il peut apprendre le fiqh de la prière. Mais la notion que l'on va développer aujourd'hui, bi'iznillahi azza wa jal, c'est une notion en lien avec l'intérieur de la prière. Et c'est son âme. Et c'est la notion par laquelle les gestes et les paroles extérieures vont avoir une valeur. Tout comme un corps n'a de valeur que s'il porte une âme en son intérieur. Et cette notion-là, c'est ce qu'on appelle en arabe al-khushu, la dévotion, le recueillement, comme cela a été mentionné sur l'affiche. Al-khushu, qu'est-ce qu'al-khushu ? Et quel est l'intérêt du khushu, de la dévotion, du recueillement ? Et comment obtenir cela ? Quels en sont les fruits ? Tel est notre sujet aujourd'hui. Et cette notion-là, contrairement au fiqh de la prière, c'est une notion que l'on va obtenir avec les années. Avec un long souffle, avec un grand effort, bi'iznillah et azza wa jal, nous obtiendrons la dévotion, le recueillement dans notre prière. Et certains salafs disaient ça, rahimahumullah. Zekabattu nafsi ala salati 20 sana wa istafadtu minha 20 sana. J'ai forcé ma personne à la prière pendant 20 ans et j'en ai profité pendant 20 ans. Car tout ce qui relève du cœur, a'mal al-qulub, c'est quelque chose qui s'attrape avec le temps. Le caractère extérieur de, par exemple, haqqul jar, la jurisprudence de haqqul jar, du droit du voisin. En une journée, on apprend ça. Mais pour donner le droit du voisin, c'est toute une autre histoire. Mu'asharatu zawja fiqhiyan hadha bisur'a. L'individu apprend rapidement comment est-ce qu'il doit se comporter jurisprudentiellement avec son épouse. Mais l'application du bon comportement avec la femme, ça prend des années. Des années. De même, tout ce qui relève al-rifq, al-lutf, a'mal al-qulub, husnuddan bin-nas. On connaît les hadiths. Mais quant à l'application ensuite, c'est quelque chose d'autre. Donc cette notion, al-khushu', dans la langue arabe, al-khushu' huwa al-tadhallul, wal-istikana, wal-inkhifad. Le khushu' dans la langue arabe, c'est le rabaissement, c'est l'humilité. Quelque chose qui est bas, on le qualifie comme ayant du khushu'. Wa minhu qawlullahi azza wa jal, wa khasha'ati al-aswatu lir-rahmani. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Allah dit dans surat Taha, وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. Les voix s'abaisseront, للرحمن, devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras que des soupirements. Tu n'entendras que des petites voix. Aussi les Arabes disaient, أَرْضٌ خَاشِعَ. Une terre qui est خَاشِعَ, qui est qualifiée comme ayant du خُشُوع, c'est une terre qui est sèche. Car elle n'a pas de végétation élevée sur elle. Donc ça, c'est la base dans la langue arabe. Et il y a toujours un lien entre une notion, entre la définition d'une notion dans la langue arabe et sa définition dans le sens consensuel, dans le shara, dans la jurisprudence musulmane.
Al-khushu', donc dans le sens législatif, c'est qiyam ou qalb al-abdi, bayna yaday Allah azza wa jal, bitadallul wa ta'zim. C'est le fait que le cœur soit devant Allah subhanahu wa ta'ala en position d'humilité, en position de rabaissement, du fait de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on voit dans la définition, c'est quelque chose qui est en lien avec le cœur. Et aujourd'hui, hélas, on voit que chez beaucoup de musulmans, on donne une importance beaucoup plus importante à l'extérieur de la prière. Chacun regarde son vécu, chacun regarde son quotidien, sa manière d'apprendre la science. Qu'est-ce qu'il écoute comme cours de manière majoritaire dans sa vie? On voit qu'il y a une importance qui est donnée à l'extérieur de la prière, bien plus importante, hein, bien plus importante qu'à l'intérieur. Les gens s'adonnent à apprendre le fiqh de la prière, ce qui est bien et ce qui est demandé, même obligatoire. Et les gens sont pointillistes là-dessus, ce qui est bien même d'être pointilliste. Savoir est-ce que le prophète bougeait l'index ou ne le bougeait pas pendant le tashahhud. Nous ne disons pas comme certains, هذا ليس من الأولويات. لا هذا من الأولويات أيضا. هل كان يحرك سبابته عليه الصلاة والسلام عند تشهده أم لا؟ ولا نعيب على من كان يبحث هذه المسألة طيلة سنة كاملة ربما أو عشر سنوات. لا نعيب عليه. بل هذا يدل على تمسكه وتعصبه لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ننظر كم أعطى من وقت لكسب الخشوع في صلاته. Donc quelqu'un qui passe même une journée, une semaine, un an, 10 années à savoir est-ce que le prophète bougeait ou pas l'index dans le tashahhud. On ne dira pas, comme disent certains, ceci ne fait pas partie des priorités. Ceci n'a pas d'intérêt. Non, ceci a un intérêt. Et cette recherche que fera cette personne est une preuve de son amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, est une preuve de son vouloir d'adorer Allah Azza wa Jal, tout comme l'adorait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais est-ce que le temps investi pour pouvoir avoir la prière extérieure du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est équivalente ou supérieur ou inférieur au temps investi pour pouvoir obtenir le khushu', pour pouvoir obtenir l'âme de la salat, la dévotion, le recueillement dans celle-ci? C'est ici qu'éventuellement on dira, ici tu t'investis trop à regarder l'extérieur en comparaison du temps que tu donnes pour pouvoir obtenir l'intérieur de la prière. Donc obtenir l'intérieur de la prière, c'est un chantier sur des années. C'est un chantier sur des années. Et la législation, donc, a pris soin de mettre tout en place afin que toi, serviteur d'Allah, Azza wa Jal, tu sois dans la dévotion, tu sois dans le recueillement lorsque tu es en prière pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des causes afin que nous travaillions notre khushu'. Donc, je garderai le mot khushu' jusqu'à la fin maintenant du cours. Quelles sont les causes qui font qu'une personne est recueillie dans sa prière? Nous avons prié à l'asr. Les gens avaient l'épaule collée à l'épaule de leur voisin, le pied collé au pied de leur voisin. Et il y a pourtant entre deux prières de deux personnes voisines une différence parfois supérieure entre la distance qu'il existe entre le ciel et la terre. Une différence de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala extrême. Et il y a une différence de khushu' aussi extrême entre deux personnes qui ont prié les unes à côté des autres. Quelles sont les causes qui font que cette personne est plus dévouée qu'une autre dans la prière? La première, c'est ma'rifatullah azza wa jal. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Quwwatu imanihi. En fonction de la foi de la personne, en fonction de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus je connais Allah subhanahu wa ta'ala, et plus je vais être concentré dans ma prière. Car cette prière est une adoration dévouée à Allah subhanahu jalla fi'ula. Faman huwa Allah, qui est Allah?
Et les gens n'ont pas la même connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils ont tous une connaissance de base sans laquelle ils ne sont pas musulmans, mais ils n'ont pas tous la même connaissance d'Allah azza wa jalla. Ils n'ont pas tous la même connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلهم يؤمنون أن الله سميع ذو سمع سبحانه وتعالى لكن اعتقاد هذا وشعور هذا بسمع الله عز وجل أنه يسمعه الآن حين يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها ليس كشعور هذا celui-là croit que Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de Samir, qu'il possède une ouïe, subhanahu wa ta'ala, par laquelle il entend tous les sons. Celui-ci aussi a cette croyance-là. Mais ce premier ressent de manière plus profonde cette qualité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il prie, lorsqu'il dit « Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen », tous deux ressentent qu'Allah les entende, mais celui-là le ressent plus. Tous deux aussi ont la foi que Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-basir idhan muttasifun bi basarin subhanahu jalla fi'ula. Tous deux ont la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms al-basir et qu'il est donc qualifié d'avoir un basar, une vue subhanahu wa ta'ala, par laquelle il voit le visible, l'invisible, le petit, le grand. Mais le ressentiment de chacun n'est pas le même. Plus la personne connaîtra Allah, plus elle sera dévouée dans sa prière. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a descendu des versets à la Mecque, développant qui est Allah, développant les noms d'Allah, les attributs d'Allah, afin que lorsque la prière, 10 ans plus tard, soit rendue obligatoire, le serviteur soit réellement dévoué dans celle-ci. De même, une autre cause permettant de développer sa dévotion, son recueillement dans la prière, c'est l'iman bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier. Lorsqu'une personne sait qu'elle va quitter ce bas monde, et toute personne musulmane le sait, donc ici on ne parle pas de la base de la connaissance de ces notions. Celui qui doute, ou bien qui ne sait pas qu'il va quitter ce bas monde, il n'est pas musulman. Nous, on parle des musulmans. Mais les musulmans entre eux ne sont pas du même niveau. Donc le deuxième point qui permet de développer sa concentration, sa dévotion dans la prière, son khushu', c'est al-imanu billah, al-imanu bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier. Que tu saches que tu vas partir, que tu vas quitter ce bas monde, que tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ton véhicule, ta maison, ton travail, et que tu vas rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne va pas te juger sur ta couleur, qu'il ne va pas te juger sur ton corps, qu'il ne va pas te juger sur ta richesse, en elle-même il te jugera sur ta richesse, qu'est-ce que tu en as fait, d'où tu l'as eu. Mais sur ta richesse elle-même il ne va pas te juger, il va te juger sur tes œuvres. Et la première œuvre sur laquelle il va te juger, c'est la prière. Et celui qui entre dans une prière en sachant qu'il peut mourir durant celle-ci n'est pas comme celui qui est atteint d'une maladie qu'on appelle tawlul amal, l'aspiration lointaine. Il voit très très loin, dans le sens péjoratif. Il a des aspirations lointaines, infondées. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil, sois dans ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. Donc celui qui sait qu'il va s'en aller, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce retour, il n'est pas connu de lui-même, il peut être à n'importe quel moment. Il n'est pas obligatoirement précédé d'une maladie. Il n'y a pas non plus de personnes
ou quoi que ce soit qui vont te prévenir que ton âme va t'être retirée à n'importe quel moment, tu peux repartir inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait ça n'est pas comme celui qui le sait aussi mais qui ne le ressent pas dans tous les moments de sa vie, dans toutes les secondes de sa vie, qu'il soit de voyage, résident, où qu'il soit, quelle que soit sa situation, son endroit, il sait qu'il peut partir et rejoindre Allah Azza wa Jal. Car elle vient par surprise, comme cela a été dit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont des causes, et elles sont nombreuses, en lien avec la foi de la personne. Et concernant cette deuxième cause-là, de même on observe que le Coran qui est descendu durant la période mécoise, était un Coran qui mettait la lumière sur cette notion-là, que ce bas monde est vain, que ce bas monde est éphémère, et que l'au-delà est bien meilleur, et que l'au-delà est éternel. Et lorsque les compagnons, radiyallahu anhum, ont écouté ce Coran, ils l'ont psalmodié, ils l'ont vécu. Ensuite, lorsque la prière a été légiférée, ils ont vécu à leur tour la prière. Et ils ont été dévoués dans celle-ci. Et ils l'ont aimé. Et ils l'ont apprécié. Et comme on verra, leur récit, ce sont des gens qui ont fait des choses que parfois nous n'arrivons même pas à comprendre. Comme Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui lit le Coran en entier, 60 hizb dans une raka, dans la raka du Witr. Il se met en face de la Kaaba, Allahu Akbar, il lit la Fatiha, Amin, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, et il finit par Min al-Jinnati wan Nas, Allahu Akbar, Thumma Yarka, il fait le recours. En raison du iman qu'ils avaient, en raison de la foi qu'ils avaient obtenue par la méditation sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et par les efforts qu'ils ont faits durant la période mécoise. Donc lorsque la prière est venue, c'était pour eux un plaisir et on entendait le prophète alayhi salatu wasalam dire « Arihna biha ya Bilal » « Repose-nous, tranquillise-nous par la prière, ô Bilal » Une autre cause pour pouvoir augmenter sa concentration, son khushu' dans la prière, c'est d'abord savoir que le khushu' est quelque chose qui prend naissance dans le cœur et qui ensuite donne des traces, des fruits sur les organes externes. Donc le khushu' se trouve dans le cœur, c'est une œuvre du cœur. L'amour des musulmans est une œuvre du cœur, elle se voit sur l'extérieur. Quelqu'un qui ne sourit jamais aux musulmans, quelqu'un qui s'allie aux mécréants contre les musulmans, quelqu'un qui trahit toujours les musulmans afin que leur religion chute et soit dans l'échec, est-ce qu'il peut prétendre avoir intérieurement l'amour de ces derniers-là, l'amour des musulmans? Même s'il le prétend par la langue, est-ce que nous l'acceptons? Non, car l'iman inda ahli sunnah qawlun wa amal. La foi, ça c'est un autre cours. Chez les gens de la sunna, c'est des paroles et des actes. Donc les actes du cœur vont donner des traces sur l'extérieur. De même, al-khushu' qui se trouve à la base dans le cœur, il va donner des traces sur le corps obligatoirement. Il va donner des traces sur le corps. On peut simuler le khushu' extérieurement et ne pas l'avoir, mais l'avoir et ne pas l'avoir extérieurement, ce n'est pas possible. Donc le khushu' prend naissance dans le cœur. Ça c'est un premier point qui est important. Le cœur maintenant, il a des chemins qui y mènent. Parmi ceux-ci, trois principaux que l'on va voir: la vue, al-basar, al-sam', l'ouïe, et al-fikr, la pensée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à travers ses hadiths les causes afin de préserver ces routes-là, ces chemins-là menant au cœur. Car l'œil, par ce qu'il voit, a un impact sur le cœur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans Surat An-Nur? Il dit « Et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie intime. »
Car celui qui n'abaisse pas son regard devant les femmes qu'il n'a pas le droit de regarder, ceci l'attirera doucement, le prendra à la fornication. Et les fornicateurs, avant d'être fornicateurs, sont des gens qui regardent le haram. Donc l'œil a un impact sur le cœur. La main a un impact, le toucher aussi, mais on ne va pas le développer ici, a un impact sur le cœur. L'ouïe a un impact sur le cœur. Wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Ce verset est suffisant, comme on dit beaucoup de savants, pour dire que la musique est haram. Car c'est un des plus grands vecteurs amenant à la fornication. De par ce que la personne va entendre, il va être attiré à forniquer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour que toi, ô serviteur d'Allah, tu sois dévoué dans ta prière, il a légiféré de nombreuses causes permettant de préserver ta pensée, de préserver ton ouïe et de préserver ta vue. Donc concernant la vue, des notions qui aident à être concentré dans sa prière, c'est de prier dans un endroit qui est simple. C'est pour ça que Allahumma barik, la moquette de cette mosquée, elle est masha'Allah. Jayyida jiddan. Car on entre dans des mosquées où à force de bloquer sur les dessins, certains voient des bonhommes. Vous avez déjà entendu ça. Il dit, regarde, il y a les yeux, là il y a le nez. Il n'y a pas en réalité. Mais ici, est-ce que quelqu'un peut voir un bonhomme? Non. Donc l'endroit que l'on regarde, s'il est décoré, s'il est illustré, parfois même par quelque chose qui nous semble être bien, parfois c'est un minaret, parfois c'est une Kaaba, comme on trouve sur certains tapis de prière, et bien ceci peut être une cause de distraction. Et le prophète alayhi salatu wasalam a vécu cela, comme rapporte Aïcha radiallahu anha, le hadith est dans Sahih al-Bukhari. قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فنظر إليها نظرة ثم قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Elle dit, Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un vêtement qui avait des signes. Ce n'est pas des bonhommes, des animaux. Mais il y avait quelques décorations. Et il a regardé une fois ces choses-là. Et il a ensuite dit, amenez ce vêtement à Abi Jahl, car il m'a distrait de ma prière tout à l'heure. Juste un vêtement. C'est pour ça que certaines personnes mettent des vêtements qui parfois apportent la distraction dans la mosquée. Et ça, c'est important de s'entraider, ayyuha al-ikhwa, dans la piété et non pas dans le péché et la turpitude. Car déjà, en dehors des mosquées, vous savez comment est-ce qu'on est attaqué au niveau de notre regard. Par les panneaux publicitaires, par tout ce qu'il y a autour de nous. Même par les humains nous entourant, par les femmes qui nous entourent. Et nous sommes dans une ambiance où même avec le regard baissé, tu n'es pas préservé parfois. Donc si en plus arrivé à la mosquée, j'ai devant moi quelqu'un qui est habillé, parfois avec des couleurs excentriques, avec des dessins dans son dos. Certes, je ne suis pas obligé de le regarder, mais lui m'attire à cela. Donc entraînons-nous en nous habillant simplement. Donc le regard est un premier chemin amenant au cœur et qui a un impact direct sur le niveau élevé ou non de la concentration de la personne. Et ce hadith qu'on a donné, c'est pendant la prière. C'est pendant la prière. Mais la préservation du regard avant la prière aussi est importante. Un autre chemin qu'il faut préserver et que notre législation a protégé, c'est l'ouïe. C'est l'ouïe. Comme nous avons dit en interdisant la musique par exemple. Et il faut aussi que nos mosquées restent des endroits qui sont des endroits où on trouve la sérénité, la paix, où il n'y a pas de bruit. Donc ça demande, ayyuhal ikhwa,
de combattre ce fléau qu'on a aujourd'hui, le fléau des portables en prière. Et oublier de temps en temps son portable et qu'il sonne, ça ce n'est pas le plus grave. Car l'insan yansa, sha'a am aba, qu'il veuille ou non, il oubliera. Mais le problème, il est dans la sonnerie de certains frères et de certaines sœurs. C'est là où il faut être intransigeant et où nous condamnons. Parce que si c'est une sonnerie, entre guillemets, classique, qui même si elle sonne, ne va pas prendre le cœur des prieurs dans un rythme, c'est quand même grave d'avoir laissé sonner le portable, mais tu as oublié, idhan incha'Allah, bi'iznillah, tu es pardonné car tu as oublié. Mais en revanche, la sonnerie que tu as choisie, qui est souvent de la musique, chez certains frères et chez certaines sœurs, là tu es pécheur même si tu as oublié. À chaque fois que ton portable sonne, tu es pécheur. Et à ce moment-là, tu vas entraîner parfois des dizaines de cœurs dans la mosquée et les sortir de la concentration dans laquelle ils étaient. Ils méditaient les paroles d'Allah. Peut-être que certains yeux étaient en train de couler de larmes à ce moment-là, ton portable a sonné. Donc il faut s'entraider à ce niveau-là, ayyuhal ikhwa. Wallahi muhim jiddan, les mosquées aujourd'hui sont polluées par cela. Presque toutes les prières, on a un portable qui sonne. Donc protéger notre vue, protéger aussi notre oui. Et lui aussi, il doit se protéger en amenant dans nos mosquées, et la vue aussi, en amenant dans nos mosquées les enfants qu'on a le droit d'amener. Aujourd'hui, on a le grand débat qu'on entend dans toutes les mosquées. Tout le monde parle et donne son avis. Il ramène son délil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière, il avait un enfant sur le dos, donc il y a juste. L'autre, il dit haram, etc. At-tifl al-ghayr mumayyiz, l'enfant qui n'est pas mumayyiz, qui ne discerne pas. Après, qu'est-ce que discerner ou pas ? Il y a divergence là-dessus. Il ne faut pas l'amener à la mosquée. C'est l'enfant qui n'est pas capable d'émettre une niya. Tu lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire comme prière? Il ne sait pas s'il fait le dhuhr, le asr. C'est les enfants que l'on voit parfois, tout le monde est en qiyam, en position debout, et il fait un ruku avant tout le monde, ou il se jette en sujoud avant tout le monde, ou il dit amin avant l'imam. Et tu vas lui dire, yabouné, mon fils, tu vas aller à la mosquée. Quand l'imam il dit wala dalil, ne dis pas amin avant exprès, avant les gens pour montrer que tu sais. Et il va quand même le faire. Parce qu'il n'a pas désobéi volontairement. Miskin, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Celui-là, il est capable de tout, de courir dans les rangs, de crier. J'étais dans des mosquées, prends la pierre du tayammum contre le mur. Après, quand des anciens disent hada kharjo, on dit ils sont durs. Il faut les amener, l'islam c'est l'ouverture, la tolérance. Non, mais il y a des limites. Un enfant qui vient, qui prend les pierres de tayammum et qui les jette, ou qui va prendre un extincteur, qui va appuyer sur l'alarme, celui-là on ne l'amène pas. Pourquoi ? Parce que il empêche la dévotion, la concentration des prières. Après le bébé qui allait, ça c'est une autre histoire, car chacun après amène ses preuves, ça c'est une autre porte. Donc il faut protéger notre oui, il faut aussi protéger notre vue, ayyuhal muslim. Et pour protéger notre vue et notre oui, et minimiser les interférences pendant la prière, le prophète alayhi salatu wa sallam a aussi légiféré des notions. La première, c'est de venir tôt à la mosquée. De venir tôt. Celui qui vient tôt à la mosquée, avant l'Eden, qui fait des prières surérogatoires avant le fard, vous êtes d'accord qu'il n'est pas le même que celui qui arrive au moment de l'iqama, qui passe la porte au moment de l'iqama, et qui écoutait les infos dans la voiture. Il y a une minute ou deux, il écoutait les infos dans sa voiture. Il entre, il dit Allahu Akbar. Est-ce que son cœur est préparé comme celui qui est à la mosquée depuis un quart d'heure? Non. Celui qui était au marché il y a 10 minutes, 5 minutes et qui entre à la mosquée, est-ce que son cœur est préparé comme le cœur de celui qui est là depuis une demi-heure et qui a le mushaf, le Qur'an dans les mains et qui médite sur les versets d'Allah? Non. Donc la préparation du cœur passe par le fait de venir tôt à la mosquée.
Et une fois qu'on est dans la mosquée, pour deux personnes qui sont venues un quart d'heure avant l'Éden, celui qui va faire des prières surérogatoires, lire le Coran en méditant, n'est pas comme celui qui est avec son copain, son frère en Allah, assis dans la mosquée à parler de choses futiles. Donc venir tôt et ensuite s'occuper dans ce temps qu'on a réservé avant la prière, s'occuper à faire des actions pieuses pour préparer notre cœur. Les salaf rahimahumullah se préparaient même bien avant, au moment des ablutions. Certains avaient le visage qui jaunissait, comme c'est rapporté par certains, au sujet de, par exemple, de Zayd al-Abidin rahmatullah alayh. D'autres disent Al-Hassan ibn Ali, wallahu a'lam. Certains salaf avaient le teint qui changeait de couleur pendant les ablutions. Et lorsqu'on leur disait qu'est-ce qui t'arrive, ils disaient: est-ce que vous savez devant qui je vais me mettre debout? Leur connaissance d'Allah les amenait à être en khushu' déjà au moment des ablutions. Enfin, la troisième voie qu'il faut protéger, c'est Al-Fikr. Al-Fikr, la pensée. La pensée. Et ça, c'est sûrement le plus difficile. L'ouïe a une interférence sur la pensée, l'œil aussi a une interférence sur la pensée, et la pensée, elle aussi, elle a été protégée par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que la personne, lorsqu'elle va dire Allahu Akbar, elle soit dégagée de toute occupation qui viendrait polluer son khushu'. D'où la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim: La salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: il n'y a pas de prière lorsque le repas est servi, et pas de prière alors que les deux mauvaises choses qui sont l'urine et les excréments poussent. Donc lorsque la nourriture est posée, à ce moment-là, il faut manger afin d'assouvir son appétit et ensuite prier. Et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le fils de Omar ibn al-Khattab al-Farouq, mange kana ya'kulu wa yasma'u sawt al-qari, sawt al-imam. Abdullah ibn Omar, il mangeait alors que la prière était en train de se faire à la mosquée, et il entendait la voix du récitateur, et il prenait son temps, il mangeait afin d'assouvir cet appétit, car le prophète alayhi salatu wasallam l'a ordonné. Afin que tu sois en prière, dévoué, concentré, que tu médites les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne sois pas là en train de penser à manger. Et il n'y a pas de prière non plus lorsque les deux mauvaises choses, l'urine et les excréments, sont en train de pousser. Lorsque tu as envie d'uriner, d'aller aux toilettes, que ce soit pour uriner ou déféquer, tu vas d'abord faire tes besoins, te mettre dans une position de confort pour ensuite entrer en prière, hein, et que tu sois adonné à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu as envie d'uriner et que durant ta prière tu te retiens, ceci interfère sur ta pensée, ta méditation de ce qui est en train d'être lu par l'imam. Et de même lorsque tu as envie de manger. Donc ça, c'est pour préserver la pensée. Car la pensée, le fikr, toi maintenant, tu dois l'investir dans autre chose, qui sont justement encore une autre cause, on est à la quatrième ou la cinquième, d'augmentation du khushu'. Dans quoi est-ce que je vais investir ma pensée, ma méditation? Dans les paroles et les gestes de la salat. Dans les paroles et les gestes de la prière. D'où l'intérêt, ayyuhal ikhwa, d'apprendre l'arabe. Car la prière se fait avec la langue arabe. Donc il faut apprendre l'arabe. Il faut apprendre l'arabe. Et laissons les excuses de côté. Il ne veut pas, il n'y a personne. Bi'iznillah, si on veut. Bi'iznillah azzawajal, avec l'aide d'Allah. Inch'Allah, si Allah veut avant tout, on y arrivera bi'iznillah. On a rencontré des gens, des convertis depuis 2-3 ans. Ils maîtrisent l'arabe. Wallahi, j'en ai rencontré un, il parle avec ses enfants, Bul Fusha. Avec les difficultés qu'il a,
mais alhamdoulillah, il parle en arabe. Bismillah ya bunay ta'ala, akhud hadha ijlis uq'ud qum. Mada fa'alta fil madrasa, et il essaye avec les rats pas bien roulés, les rats, il les sort peut-être pas très bien, mais alhamdoulillah, il se bat. Certains frères, ça fait 10 ans, et toujours il ne comprend pas, il dit je ne comprends pas le khutbah de Jumu'ah, Allah aidez l'imam, il faut qu'il fasse le tarjama. Ça fait 10 ans, mon frère. Combien de congés tu as eu, etc. Tu n'as pas pu voyager, partir, dépenser pour cela. Les gens se jettent dans la mer pour vivre aujourd'hui dans un pays capitaliste, pour profiter des aides, etc. Tu ne peux pas t'en faire le sens inverse pour la langue du Coran, pour la langue de notre sharia, de notre législation. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop encore tout ce qu'il faut autour de nous, mais on peut, bi'iznillah azza wa jal, car on a vu des gens qui sont sur la même ligne de départ qu'aujourd'hui par le bien l'arabe. Donc notre méditation, il va falloir l'investir dans les expressions et les gestes et positions de la salat. Première expression, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand, c'est un superlatif. C'est pas Allah est grand. Et Allah, il n'a pas choisi Allahu A'lam, Allah est le plus savant. Allahu Ahkam, Allah est le plus sage. Allahu Aghna, Allah est le plus riche. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Car la notion de grandeur ici, elle a son intérêt. Tu te retires de ton quotidien mondain, de tes occupations, pour t'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est fondée sur at-tadallul, l'humiliation, le rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le superlatif Akbar, il est munasib, il est approprié. Et là aussi comme sens, parmi ces nombreux sens, ces sens seront infinis, on en apporte quelques-uns que citent les savants. Aussi Allahu Akbar, de tout ce qui aurait pu te retenir de faire cette prière-là. Comme ta femme, comme tes enfants, comme ton travail, comme ton argent, comme ta situation sociale, professionnelle, etc. Allahu Akbar min hada kulli. Allah est plus grand que tout cela. Ensuite, je dis dua al-istiftah, il y en a plusieurs, les dua d'introduction. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billah. Je me mets sous la protection d'Allah. Contre qui? Contre Satan le lapidé. Et Allah ordonne dans le Coran, lorsqu'on veut lire le Coran, de se mettre sous la protection de Satan le lapidé, car il va venir te prendre une partie, te voler de ta prière. Il y a même un démon, Khinzab, qui a ce rôle, ce poste spécifique de venir troubler la personne dans sa concentration. Il vient et te dit « Udhkur kada wa kada » Dis ceci et cela. « Hatta taltabisa salatu ala al-mar'i fala yadrikam salla » Jusqu'à ce que la prière est complètement chamboulée pour la personne et il ne sait plus combien il a prié. Il te dit « Évoque ceci, évoque cela. » Donc se mettre sous la protection d'Allah contre Shaitan. « Bismillahir Rahman Ar-Rahim » Au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Chaque expression demanderait un dars. Ensuite, nous pénétrons dans la Fatiha. Et ici, celui qui ne comprend pas, ne serait-ce qu'un arabe de base, même s'il y a la lumière du Coran que ressent toute personne qui ne comprend pas l'arabe. Combien de personnes ne comprenant pas l'arabe ont parfois écouté le Coran, ont eu des frissons et se sont convertis, sont entrés en islam. Mais la compréhension profonde du Coran demande que l'on connaisse la langue arabe. Et plus on connaîtra la langue arabe ensuite dans sa grammaire, dans sa balagh, dans son éloquence, etc. Wallah, et que l'on profitera du Coran. C'est pour ça que c'est le livre. La yashba'u minhu al-ulama. Les savants ne sont jamais rassasiés de ce courant-là. Car ils ont une compréhension que n'ont pas les autres. Mais la pureté du cœur aussi. La pureté du cœur aussi joue sur le fait qu'on ne soit pas rassasié du Coran. Même si parfois on ne comprend rien. On a des gens qui mettent dans leur voiture le Coran en boucle et ils ne comprennent rien au Coran.
Mais ils ressentent une lumière, une beauté dans ce livre-là, du fait de la pureté de leur cœur. Comme a dit Othman ibn Affan, « Law tahurat qulubuna ma shabi'na min kitabillah » Si nos cœurs étaient purs, on ne serait jamais rassasiés du livre d'Allah. Donc nous étions dans le fiqh, méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le hadith Qudusi, « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. » Lorsqu'il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur Abdi, mon serviteur, pas un serviteur, non, mon, le mien. Il dit Idafatu Tashrif. Ça veut dire qu'Allah t'a identifié à lui, c'est un honneur pour toi. Allah n'est pas honoré du fait que tous les humains l'adorent. Mais toi, tu es honoré qu'Allah dise que tu es son serviteur. Hamidani, mon serviteur, m'a loué. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit Adna alayya abdi. Mon serviteur a fait mes éloges. Maliki yawmiddin, majjadani abdi. Mon serviteur a déclaré ma majestuosité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadha bayni wa bayn abdi. Ceci est entre moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Qu'est-ce que tu demandes? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, qui sont les juifs et tous ceux qui sont de cette catégorie-là, qui sont ceux qui savent et ne suivent pas le prophète alayhi salatu wassalam, ni les égarés, qui sont les chrétiens et tous ceux qui sont de cette catégorie-là, qui sont ceux qui pratiquent œuvre sans science. Et ces deux chemins-là sont des chemins égarés et tu demandes protection contre Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans un de ces deux chemins et tu lui demandes d'être sur le chemin droit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada li abdi, ceci est à mon serviteur, wa li abdi ma sa'al, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Après, tu dis Amin, sans shadda sur le mim. Amin, c'est faux. Certains savants disent ça annule la prière. Amin. Ce qui veut dire Allahumma stajib. Oh Allah, exauce tout ce qui a été dit auparavant. Et ensuite, le Coran est lu. Et ici, suivant la connaissance du contenu de ces versets, pourquoi ils sont descendus, quelle est l'histoire de ce prophète, qui est, qu'est-ce que Aïd, qu'est-ce que Thamoud, qui est Ben Israël, toutes ces histoires-là, la connaissance de ces histoires-là n'est pas équivalente à l'ignorance. Et ensuite la connaissance aussi de la langue arabe et surtout la pureté du cœur. D'où ici, une parenthèse, la très grande responsabilité des imams. Ils doivent lire le Coran en faisant de leur mieux, en le récitant avec les qawaid, avec les règles. هذا من مصائب هذا الزمان أن تصلي وراء من لا يقرأ بقواعد التجويد. Parmi les catastrophes de notre époque et de toute époque, c'est de prier derrière un imam qui ne lit pas avec les règles, qui ne lit pas avec les règles. ومن المصائب أن يسرع الإمام. Et parmi les catastrophes aussi, c'est que un imam aille vite. Et là, je ne fais pas une fausse louange. Ahmadullah ala ma a'takumullah. Je remercie Allah. Sallait fi ruku', j'avais fini presque, mais j'étais habitué à ma prière classique dans d'autres mosquées. Et je suis arrivé, j'ai vu que ça continuait, mashallah. Wallahi ni'ma. Quand le ruku', on lui donne son haq, son droit, le sujoud. Wallahi ni'ma min Allah. Et c'est frustrant de prier derrière quelqu'un qui va vite. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, t'as dit deux fois Allahu akbar. On va où? Hadi ibada aqrab ma yakun al-'abd min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. La position la plus proche du serviteur, la position qu'a le serviteur et durant laquelle il est le plus proche de son Seigneur, c'est le sujoud. Fa akthiru ad-du'a, faites beaucoup d'invocations. Deux subhana rabbil a'la, Allahu akbar.
Wallah, c'est frustrant pour celui qui aime le sujoud et qui aime la prière. C'est une grande ni'ma d'avoir quelqu'un dans le mihrab qui allonge le recours, qui allonge le sujoud, qui allonge la récitation dans la mesure de l'acceptable en restant dans les limites du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'était certaines causes un participant au khushu'. Et ce khushu'a-là, lorsqu'on l'aura, il a de nombreux fruits. Parmi ces fruits, c'est que c'est une cause de réussite dans ce bas monde et l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Certes, les croyants ont réussi. Lesquels ? Quelle est la première qualité qu'il va citer ? « Alladhina hum fi salatihim khashi'un ». Ceux qui sont dévoués dans leur prière. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des prophètes alayhim salatu wa salam en disant innahum kanu yusari'una fil khayrat, ils s'empressaient de faire le bien, wa yad'unana raghaban wa rahaba, et ils nous invoquaient par espérance et crainte, wa kanu lana khashi'in, et ils étaient concentrés, dévoués pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait aussi l'éloge de ses serviteurs à la fin de sourate al-Isra et dit yakhiruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khushu'a. Ils tombent sur leur menton en pleurant et ils leur ajoutent en dévotion. Et avec Al-Khushu', un des plus grands fruits, c'est que ta prière a un goût. Tu prends du plaisir désormais à prier, car tu te sens bien, tu sens un apaisement au niveau de ton cœur et tu aimes la prière, comme l'ont aimé les salafs, rahimahumullah. Nous avions dit qu'Uthman lisait le Coran en entier dans une raka'a. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit sallaytu dhata laylatin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié une nuit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faftataha al-Baqara. Il a introduit par la lecture d'Al-Baqara. Regardez le niveau de Hudhayfa ibn al-Yaman. À quoi est-ce qu'il s'attend à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lise? Il a dit فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ. J'ai dit, il va faire le recours au centième verset. C'est déjà loin. C'est déjà loin. Ensuite, فَمَضَى. Il a continué à lire le Baqara, le prophète, alayhi salatu wa sallam. ثُمَ افْتَتَحَ النِّسَاءَ. Puis il a lu surat al-Nisa. Pourquoi est-ce que ça a été lu avant Ali Imran? Certains savants disent parce que l'ordre du Coran n'était pas encore mis en place. Wallahu a'lam. Et d'autres disent que ce n'est pas obligatoire de lire dans l'ordre al-ilmu indallah. Thumma mada fa qultu yarka'u biha, puis il a continué et ensuite il a lu Ali Imran sallallahu alayhi wa sallam, faraka', puis il s'est incliné. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, et son ruku', il était équivalent en temps que sa position debout. En position debout, il a lu environ 11 hizb. Et Hudhayfa ibn al-Yaman a dit kana yaqra'u mutarassila, il lisait en prenant son temps, c'est-à-dire en donnant à chaque lettre son droit. Idha marra bi su'alin sa'al, lorsqu'il passait devant une demande, par exemple le paradis, il disait Allahumma arzuqni al-jannah, par exemple, oh Allah, donne-moi le paradis. Wa idha marra bi ta'awudhin ta'awudh, et lorsqu'il passait devant un endroit où il faut demander protection d'Allah, il demandait protection. Par exemple, A'udhu billah minan nar, lorsqu'il passait devant un verset évoquant l'enfer. Puis il s'est incliné et son recours était équivalent à la position debout. Ensuite, il a dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Dans cette version, Rabbana lakal hamd. Et sa position était équivalente au recours. Et il a fait deux rak'a comme cela. Et Hudhayfa ibn al-Yaman était avec lui. Telle était leur prière, car ils ont goûté à la saveur de la prière. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, il dit dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka aziz al-mirjal min al-buka. Je suis rentré chez le prophète alayhi salatu wa sallam, il était en train de prier et dans son ventre il y avait un bruit comme le bruit d'un récipient donc qui est mis à bouillir sur le feu, comme le bruit d'une marmite qui est mis à bouillir sur le feu. Et telle était la situation de tous. Abu Bakr aussi était sur les pas du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Aïcha dit radiallahu anha, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, kana
Abu Bakr radiyallahu an, إذا صلى غلب عليه كان إذا صلى وقرأ غلب عليه البكاء. Abu Bakr, lorsqu'il priait et lisait le Coran, les pleurs prenaient le dessus sur lui. Un compagnon radiyallahu an a dit, et c'est rapporté dans le Bukhari aussi, il a dit: j'ai prié derrière Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, et j'étais au dernier rang et j'entendais ses pleurs et j'entendais ses gémissements, le bruit que quelqu'un fait quand il est en train de débuter de pleurer. Il a dit: wa kana yaqra'u innama ashku bathi wa huzni ila Allah, je me plains de ma tristesse auprès d'Allah, qui est la parole de Yaqub, qu'il a dit à ses enfants lorsqu'il a perdu Youssouf et ensuite Benyamin alayhi salam. Donc lorsque l'on réalisera cette qualité là on profitera de notre prière, on goûtera à notre prière, et ce ne sera plus lourd de se lever la nuit, ce sera même un plaisir, ce sera un plaisir de faire des œuvres aussi rogatoires. Un autre résultat, c'est que par cette prière là Allah nous comblera nos besoins. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté dans un hadith, kana idha hazabahu amrun fazi'a ila salat. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était préoccupé par une situation, il s'empressait, il s'orientait rapidement vers la prière afin de régler ce problème. Car qui en dehors d'Allah peut te régler ce problème? Personne. Personne. Et il s'orientait, les compagnons aussi, et prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dissipe leurs problèmes et leurs difficultés. Juraïd, un homme de Ben Israël qui adorait beaucoup Allah Azza wa Jal, il avait une sauma'a, il avait un minaret min tayn, d'argile. Il était une fois en prière et sa mère a dit: ya Juraïd, oh Juraïd. Il a dit: ya Allah, asalati an ummi, oh Allah, ma prière, je continue ou je réponds à ma mère? Et il a continué sa prière. Une deuxième fois, sa mère a dit: oh Juraïd, pareil, oh Allah, ma mère ou ma prière? Elle a continué la prière. Troisième fois, ya Juraïd, oh Juraïd. Et il a dit: ya Allah, ma prière ou ma mère? Elle a continué sa prière. Sa mère a levé les mains, elle a dit: ya Allah, Allahumma la tumithu hatta yara wujuha al-mumisat. Oh Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce qu'il voit le visage des prostituées. Ensuite, une prostituée de Ben Israël a un jour invité Juraïd à faire le péché, la fornication. Il a refusé. Elle est allée voir un berger. Ils ont fait ensemble le péché. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde cet enfant-là. Les gens lui ont dit: quel est le père de ce bébé? Elle a dit: c'est Juraïd. Ils sont allés le voir, ils l'ont frappé, cassé son minaret. Et ils l'ont pris et ils ont tourné avec lui dans la ville. Et il a vu à ce moment-là le visage des prostituées, l'invocation de sa mère a été exaucée. Puis, on l'a amené, on a questionné la prostituée: qui est le père de cet enfant? Elle a dit: c'est Juraïd. On lui a dit: qui est le père de cet enfant, oh Juraïd? Est-ce que tu as réellement fait ça? Il a dit: da'uni usalli rak'atayn, laissez-moi faire deux unités de prière. Il s'est orienté vers Allah, il a fait ces deux, il a fait sa prière. Allah alam, deux unités, j'ai dit ça comme ça de mémoire. Allah alam rabbama, parce que c'était deux unités à cette époque-là. Bref, il a prié, ensuite il a pris le bébé. Il a pris son index et a appuyé sur son ventre. Le hadith est dans le Bukhari. Il a dit: man abouk, qui est ton père? Le bébé a dit: ar-ra'i. Le bébé, il a dit: c'est le berger. Ensuite, ils ont commencé à s'excuser. Ils ont dit: est-ce qu'on te reconstruit ton minaret min dahab, d'or? Il a dit: non. Obnuha min tinin kama kanat, reconstruisez-la d'argile comme elle était. Avec une prière, et s'orienter vers Allah, avec sa connaissance d'Allah, sa certitude, Allah l'a sorti de son problème en remettant en cause une règle universelle, c'est que le bébé dans le berceau ne parle pas. Il a dit: qui est ton père? Il a dit: c'est le berger. Ainsi, ils réglaient leurs problèmes et ils étaient dévoués dans leur prière. Abed ibn Bishr, radiallahu anhu, dans la bataille de Zat al-Riqa', le prophète alayhi salatu wa salam a dit:
Qui nous surveille cette nuit? Il y avait le campement des musulmans. Et qui va donc aux abords de la vallée et surveille si les ennemis veulent nous attaquer? Et Abed ibn Bishr a été volontaire avec Ammar ibn Yasir. Abed ibn Bishr était un Ansari, un habitant de Médine. Ammar ibn Yasir, c'était un ancien, un habitant de la Mecque. Sa mère, Soumeya, est morte, martyr, radiallahu anha. Et par discipline, par respect des anciens, Abed ibn Bishr lui a dit: est-ce que tu veux aturidu an akfika awwal al-layl am akhira? Est-ce que tu veux que je surveille le début de la nuit ou la fin? Il a dit: prends plutôt le début. Comme ça, Ammar ibn Yasir peut dormir au début de la nuit. Abed ibn Bishr, le hadith est dans Sunan Abu Daoud, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié de bon. Il y a plusieurs versions. Abed ibn Bishr s'est mis en prière. Allahu Akbar, il a commencé à prier. Un ennemi est venu au loin, a pris son arc et lui a tiré une flèche. Et la flèche lui est rentrée dans le corps. Il n'a pas bougé. Il a pris la flèche, l'a arrachée et l'a jetée par terre. Et les flèches à l'époque, elles étaient triangulaires avec derrière la tête une partie supérieure. La tête était pointue et derrière, c'était triangulaire et large. Si tu vas arracher la flèche, tu vas couper tes veines. Une flèche est rentrée, il l'a arrachée et l'a jetée par terre. Une deuxième flèche a été tirée, elle est rentrée dans son corps, il l'a arrachée et l'a jetée par terre. Puis une troisième flèche a été tirée, il l'a arrachée et l'a jetée par terre. Il était plein de sang. Arrivé en soujoud, il a réveillé Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, lorsqu'il a vu ça, il a regardé l'ennemi. L'ennemi a vu qu'on l'avait repéré, il est parti en courant. Lorsqu'il a fini sa prière, Abed ibn Bishr, Ammar ibn Yasir lui a dit: pourquoi tu ne m'as pas réveillé avant? Il a dit: j'étais en prière, wa karihtu an aqta'aha. J'étais en prière et j'ai détesté la couper. J'ai détesté la couper. Trois flèches, il est en hémorragie, mais li'annahu yu'azzimu as-salat, car il donne de l'importance à la prière. Regardez à quoi ils ont goûté, ayyuha al-ikhwa. Pour ça que la prière, c'était un thermomètre chez les plus prédécesseurs. C'était un thermomètre pour savoir la bonne personne. Est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien? Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahmatullah alayhi, adam min ulama al-hadith, est un grand savant du hadith, il a dit: ra'aytu Yahya al-Taymi yusalli salatan la yuqimuha fataraktu haditha. Shu'ba ibn al-Hajjaj, il a dit: j'ai vu Yahya al-Taymi, qui est un rapporteur de hadith, faire une prière, mais il a un peu négligé. Il n'a pas fait de manière parfaite. Il a dit: alors j'ai arrêté d'écrire ces hadiths, de rapporter ces hadiths. Car pour eux, celui qui négligeait la prière, ceci avait comme implication que c'est quelqu'un qui néglige le reste. Car si tu ne prends pas soin de la prière, comment tu vas prendre soin du reste, sachant que c'est la première chose sur laquelle tu vas être jugé? Et quand on lit la vie des, aussi de ceux qui sont venus après les compagnons, c'était quelque chose d'extraordinaire. Car il donnait de l'importance à cette ibadah. À cette ibadah. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, il dit au sujet de Ibrahim ibn Maymoun. Il dit: kana najjara, c'était un menuisier. Wa kana idha rafa'a al-mitraqah wa sami'a an-nida', wa kana idha rafa'a al-mitraqah wa sami'a an-nida', lam yaruddaha. C'était un menuisier. Ibrahim ibn Maymoun était menuisier. Et lorsqu'il levait le marteau pour frapper un clou et qu'il entendait l'aden Allahu Akbar, il le lâchait et ne frappait pas le clou et partait à la prière. Tellement qu'il donnait de l'importance à cette prière-là. Saïd ibn al-Musayyib, il dit: ma adan al-mu'addin mundu 40 sana illa wa wajadtu nafsi dakhil al-masjid. L'appeleur à la prière n'a pas fait l'appel pendant 40 ans sans me trouver, sans que je me trouve moi-même à l'intérieur de la mosquée. Il donnait de l'importance au fait de venir avant pour pouvoir être concentré et ensuite réussir avec cette prière dans ce bas monde avant l'autre. Ayyuha al-ikhwa, ce sont nos modèles. À nous de nous appliquer, inshallah, à ce que cette prière soit faite comme il se doit, et sachant que son âme, c'est Al-Khushu'a. Et tout comme nous sommes pointilleux dans notre jurisprudence, et c'est bien, et continuons
Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Soyons aussi, inshallah, dans les efforts d'augmenter notre concentration et notre dévotion bihawlillahi azza wa jalla, afin d'être dans le verset d'Allah qad aflaha al-mu'minun, certes ont réussi les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont dévoués dans leur prière. Et rappelons-nous, ceci est le travail d'une vie. Ceci est le travail d'une vie. Quotidiennement, sur les mois, les années, bihawlillahi azza wa jalla, nous atteindrons ce niveau. C'était quelques paroles. Le sujet demande beaucoup plus. لكن نكتفي بهذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك